We'll back nature because nature has been what's got us to this point, not technology. And so we've chosen to work with nature, not with the sort of novel and unproven and in some cases quite dangerous technologies that otherwise exist. Nous avons invité un expert mondial de ce sujet qui s'appelle Darren Doherty. Nous sommes venus donc dans la ferme de Combe Sourde chez Jacqueline Gusquins pour faire une cours de keyline design. La sous-soleuse de Tipi et Omans a deux utilités dans l'aménagement des espaces agricoles. Le premier, c'est la décompaction des sols qui permet à l'eau de pénétrer dans les sols et à l'air de circuler. Donc en termes de fertilité, ça a un rôle important. Et le deuxième, c'est dans la gestion de l'eau dans les espaces. Elle a un discouvreur déjà qui facilite le passage du coutre qui est derrière dans les prairies et qui a un effet de décompaction. Et il y a un rouleau à l'arrière qui permet de juste réappuyer un petit peu le travail qui a été fait. Par rapport à d'autres outils, elle ne bouleverse pas le sol. Pourquoi participer à ce cours? Tout simplement parce qu'on a reçu des apports théoriques de par les ouvrages qu'on a pu découvrir. Et là, on a vraiment l'opportunité d'avoir quelque chose de plus pratique, un véritable retour d'expérience de la part d'un Doherty, et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. I have a winery and a farm along the winery. I utilize the system of Joel and Saltin with pasture chickens and pasture broilers, pasture eggs, beef and pigs. I participate for two reasons. First, I have never met Darren Doherty and I very much wanted to meet him. I think he's one of the best communicators for regenerative agriculture. And the second reason is being a farm in France and to meet people who are working with those methods in Europe. À ce stage parce que via la structure notamment qu'on a créée avec un collectif Horizon Permaculture, on est pas mal sollicité par des agriculteurs. Je suis venue à ce stage pour apprendre le keyline design, la lecture de territoire à grande échelle parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des centaines d'hectares et à un moment il faut aussi pouvoir répondre à leurs interrogations par rapport à des projets de ferme en polyactivité, élevage, agroforesterie. Nous on bâtit des systèmes qu'on veut non dépendants de l'énergie fossile une fois qu'ils sont mis en place et donc évidemment jouer avec le paysage, avec la nature. Comprendre vraiment la circulation de l'eau, où est-ce qu'on la capte, améliorer la photosynthèse pour séquestrer du carbone dans les champs, c'est pour moi des objectifs prioritaires et ce stage me permet d'avancer vraiment techniquement sur ces sujets.